Bien que le XXe siècle soit celui des mouvements de foule, les grands rassemblements de mai sur le forum d'Alger resteront une des surprises de l'histoire. Ce phénomène collectif sans précédent qui s'étendit bientôt à l'ensemble du pays, et surtout cette participation des musulmans qui depuis 4 ans se cantonnaient dans la réserve, ont provoqué dans le monde un tel étonnement que les observateurs crurent d'abord à un enrôlement contraint et forcé. Mais devant cette levée en masse, les plus sceptiques durent se rendre à l'évidence. Le mouvement algérien n'était plus seulement le sursaut patriotique des Européens se croyant menacés d'abandon, il devenait aussi la manifestation d'espoir des musulmans libérés de la peur. La révolution algérienne eut sa nuit du 4 août. Les Européens firent abandon de leurs privilèges et, dans cette fête de la fédération permanente, les mots égalité, fraternité, justice revenaient sans cesse. Pour la première fois, un choc psychologique mettait si étroitement en contact Européens et musulmans que la fusion apparaissait possible. Ainsi naissait dans les esprits l'image d'une Algérie nouvelle, d'une Algérie fraternelle où les deux communautés marcheraient la main dans la main. Les femmes ne furent pas les dernières à se mêler à ce courant irrésistible. Prisonnières de leurs traditions ancestrales, elles virent dans ce mouvement placé sous le signe de l'égalité l'occasion de hâter l'heure de leur émancipation. Pour elles, comme pour leurs sœurs du Maroc ou de Tunisie, le symbole de leur asservissement aux coutumes du passé est le morceau de tissu qui recouvre leur visage. Pendant ces heures de fièvre et d'exaltation, on vit dans toute l'Algérie bien des visages se dévoiler. Pendant des jours et des jours, le forum d'Alger fut une sorte d'immense creuset bouillonnant où des éléments de nature différente entraient en fusion sans que l'on pût savoir ce qui résulterait de cette synthèse. L'unanimité, il est vrai, s'était faite sur un nom. Pour les Européens, Charles de Gaulle est l'homme du 18 juin, le soldat qui a refusé de baisser le front devant l'adversité. Pour les musulmans, c'est le général victorieux qui symbolise la force de la France et aussi son libéralisme, car ils n'ont pas oublié les promesses de Brazzaville. C'est le héros digne de prendre place dans les mythes poético-révolutionnaires de la légende arabe. Pour tous, c'était l'homme capable d'unir les deux communautés dans la paix aussi étroitement que l'avaient été dans la guerre les compagnons d'armes européens et musulmans. Dans Alger la Blanche, devenue Alger la Tricolore, dès l'instant où Charles de Gaulle se trouva en contact avec ce peuple qui avait chassé de lui-même tout esprit de discrimination, il comprit que de grandes choses pouvaient s'accomplir.
France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut ouvrir des voies qui, jusqu'à présent, étaient fermées devant beaucoup. Cela signifie qu'il faut donner les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas. Cela signifie qu'il faut reconnaître la dignité de ceux à qui on la contestait. Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Puis, s'adressant aux rebelles. Moi, De Gaulle, à ceux-là, j'ouvre la porte de la réconciliation. Jamais, plus qu'ici, et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France! Tout au long du périple algérien qui allait successivement le conduire à Constantine, à Beaune, à Oran, à Mostaganem, le général de Gaulle devait vérifier l'importance de la participation musulmane au mouvement déclenché par le choc des événements de mai. Un émouvant dialogue s'était engagé entre un homme et une foule, animé d'une estime réciproque, décidé l'un et l'autre à rechercher les moyens de régler enfin tout ce qui reste à régler dans ce pays. Mostaganem fut la dernière étape du voyage, et nulle part ailleurs on n'avait vu autant de burnous dans les foules rassemblées autour du président de Gaulle. Je porte, a dit De Gaulle, une des plus lourdes responsabilités de l'histoire. Cependant, partout en Algérie, l'unanimité fut telle que la formule désormais célèbre, 10 millions de Français, devenait un but accessible. 10 millions de Français.